Bonjour, je m'appelle Evelyne Brochu, je vais vous lire un texte de Normand Baillargeon. C'était demain. Montréal, juin 2078. Raconte-nous encore comment c'est arrivé. En ces années-là, qui furent celles de ma jeunesse, des voix commencèrent à s'élever. Ces voix disaient « Le temps presse ». Elle disait encore « Ils ne peuvent pas expliquer l'inexplicable. Il ne faut pas permettre qu'on cherche à justifier l'injustifiable. Il ne faut plus, il ne faut pas, il ne faut jamais plus tolérer l'intolérable. » Des voix qui répétaient « Le temps presse ». Ces voix lançaient aussi des cris qui étaient de sombres présages. Sitôt la guerre froide finie, comme pour multiplier ce qui nous divise, ils ont entrepris de réchauffer la terre. Mais tôt ou tard, elle va nous présenter l'addition et notre compte sera bon. Ces voix disaient en colère, ces affamés en haillons qui croupissent aux portes des palais flamboyants, ce sont nos frères, humains. Ces voix disaient terrifiés, si on ne met fin à la guerre, c'est elle qui mettra fin à l'humanité. Ces voix disaient lucidement, calmement, ils nous mentent. Ils nous divisent, nous embauchent, nous débauchent, nous font chômer, nous rembauchent. Mais une autre vie est possible. Nous ne sommes rien. Soyons tout. Ces voix disaient le pain et les roses. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous parler les uns et les unes aux autres et à voir par-delà les mensonges. Peu à peu, d'étranges et nouveaux désirs sont nés chez les endeuillés de rêves et les orphelins d'avenir que nous étions. Oh, bien sûr, ce ne fut pas facile de nous arracher à tous ces liens de l'habitude, de l'hébétude, du confort triste et des sordides indifférences qui nous attachaient à tout, sauf les unes et les uns aux autres. Mais, peu à peu, en soufflant sur la braise du malheur de grandes bouffées de rêves, le feu de la liberté se rallumait. On trancha les premiers liens, on scia les premiers barreaux, on brisa les premières chaînes avec des lames, des limes et des marteaux qui, comme ces liens, ces chaînes et ces barreaux, étaient depuis toujours en nous, mais sans que nous le sachions. Nous étions alors, humains, devant ceux qui cassent le monde et nous n'avions pour seule arme que des yeux pour le voir autrement. Que des idées pour le transformer, un langage neuf, encore jamais entendu pour dire que tout cela était possible, et sur nos épaules, le bel oiseau de l'espérance pour raviver notre courage. C'était la nuit, nous serions l'aube. Des poètes nous avaient appris à dire « je » à la millionième personne du singulier. Des milliards d'entre nous apprenaient à dire « je » comme un seul, chacun lié à tous les autres. Le jour approchait. Un grand fleuve de révolte et de colère apparut soudain. Ce fut juste à temps, juste avant qu'il ne soit trop tard. Le temps pressait. Il emporta tout ce qui devait l'être. Les clans, les petitesses, les nations, les États, la torture, les guerres, les classes, le sexisme, l'injustice, la misère, la famine, le racisme et la haine, tout cela. Et plus encore, il le rejeta sur ses berges. Puis le grand fleuve sans nom se déversa dans une immense mer qu'on ne connaissait pas. On l'appela l'humanité. Et tout redevint possible. Merci.